écrit les paroles. Tu vois, non? Regarde, mais ça, c'est quoi ça? Maintenant, Koba, pourquoi tu viens faire bruit? C'est ton bête, la fille. Salut, ça a pu faire toute une affaire. À la base. Quand elle a fini, parce que quand Tamsi a parlé, Tamsi a été plus que explicite. Il dit que quand elle est venue se plaindre, là, ils lui ont dit d'accord, il y a un remix qui va sortir. Elle dit non, elle veut être sur original, la forcée. Sinon, elle ne veut pas. Et puis après encore, il lui a dit bon, d'accord, on va partager les. Comment on appelle ça, genre, c'est Roseline maintenant qui lui a dit ah, on va partager les gains, les revenus, ça. Elle dit salut, salut à tout le monde. C'est ce qu'elle veut. Mais attends, actuellement, on est déjà dans le bateau et les salutations, on va pas attendre que on va parler. Comment voir que le beat là, c'est pour elle. On ne dit pas que non, ah, c'est tout qu'un. Comment quand on ne peut pas faire ça, elle le beat en bas là. Tous les tons du là, c'est le même beat là qui est en bas. On dit que ça n'est pas pour elle. En fait, le truc, c'est quoi? Le truc que là, c'est pas pour elle. C'est pas pour elle. Elle a déjà profité de la démission. Elle a déjà profité. S'il te plaît. Elle voulait profiter de la démission pour se mettre sur la scène. Comment est-ce que son original, ça mousse là? Ah, c'est ça aussi. Faut les muter, sa demande. Ça a choqué. Comment fouiller plaisanter ou? Ça va monter. Ah, faut les muter. Moi, je vais donner mon avis. Yézi, taisez-vous. Une seule personne m'a donné son avis. Taisez-vous. Lève rose, faut t'éteindre. Oui, c'est lourd, faut parler. Voilà, alors. Moi, ce que je voulais dire est que moi, je vais pas dire que Aku Keita n'a pas raison, mais je vais dire qu'elle s'est prise de la mauvaise manière. Tu vois, faut muter les autres. Il y a écho, façon là. C'est bon, faut parler. Mm-hmm. Elle s'est prise de la mauvaise manière, donc elle a perdu sa raison parce que la musique mondaine de base, c'est pas pour elle. Tu vois. Et je vais même prendre un exemple très simple où on va dire c'est quelqu'un qui a composé. Tu vois la chanson, on dit « Si tu penses que tu es le seul garçon, mon ami derrière garçon, il y a un garçon. » Cette chanson-là, ce beat-là, il y a plusieurs personnes. Même il y a un artiste même qui a fait un remix. Même Jolie Nana, là, il y a un autre aussi. Jolie Nana, même de Roselyne Layo, il y a un artiste qui a fait pour défendre les femmes aussi. Tu vois, oui. Pour défendre les hommes. Les hommes, oui. On s'est pas pris, malgré que c'est elle-même qui a c'est sa propre mélodie. Mais la musique mondaine, c'est une musique où, on peut dire, il y a des sonorités qui sont déjà préétablies, prédéfinies, qui sont là. Au point où quand tu n'as pas d'inspiration, tu prends, tu travailles. Maintenant, par humilité, la pauvre dame Roselyne te dire que, effectivement, on a pris ton beat. Parce que, moi, je vais bloquer une Fatma, là. Elle est mal bête. Voilà, allons-y. Oh, les comparaisons sont sur mon coup. Il a dit quelque chose avant que tu ne bloques. Faut parler. Attendez, on parle un à un. Toi aussi, où tu as parlé, tu es parti. Je suis là. Donc, je disais, par humilité, la dame a dit, ok, j'ai pris ta chanson dans le but de te rendre hommage. Hommage, d'abord, si tu sais qu'ils vont te rendre hommage, ça t'honore. Et on te dit, c'est une surprise. C'est-à-dire que tu as assise là, et puis, bim, il y a une chanson qui passe avec ton beat. En fait, ça envoie ravi, en fait. Ouais. Tu n'as qu'à accepter cela. Moi, ce que moi, je peux dire, ce sont les personnes qui l'entourent là, qui l'ont monté. Parce que, dans les propos de Tamsi, il a dit, il y a son manager qui a appelé le manager de Roselyne pour dire que Afo souhaiterait avoir un featuring. Là, le gars dit ok, mais on a fini déjà avec cette chanson, on a déjà bouclé. Du coup, quelle patiente, après la sortie officielle, on fait le remix avec le featuring. Tu dis non. Tu appelles Roselyne maintenant, genre d'artiste en artiste. Maintenant, on a fini le volet des managers, on va au volet des artistes. Oui. Maman. Oui. Yeah. Maman dit que non. D'accord, coupez le micro. Maman dit qu'il ne faut pas, il va faire bête. Allez. Ok, je peux parler maintenant. C'est qui les comparables pour parler? Ok, ouais. Bon, dans la vie, c'est pas forcément que non, elle a pris le beat pour afficher que c'est rentré. Seulement le coin, ben là, seulement elle dit non. La fille, ça faut pas que la fille va lancer le son. Ben là, monsieur, Elle m'a cédé. Oh.
personne ne remarque que tu es belle. Elle est trop méchante, même. Elle est mal méchante. Sinon, on a vu, comment dire, Omaru qui a fait le remix de Burna Boy ici. Il y a une chanteuse sud-africaine aussi qui a fait pareil. Pourquoi elle ne va pas prendre le beat seulement le Mais tu veux bien la mèche, Aïe, non, à notre fin, tu vas d'accord. Pourquoi tu as attiré mon crush? Aïe, c'était bonjour, ça voit la me faisait. Non, c'est la connexion, Oui, l'incomparable, c'est le réseau, faut m'expliquer. Il y a rien. Mais ce qu'il dit, c'est vrai, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle est juste jalouse seulement. Sinon, non, il n'y a rien à dire ici. Sinon, elle est juste jalouse seulement. En effet. C'est ça. Laisse la fille, elle va faire ce qu'elle a envie de faire, seulement, toi tu es jaloux, côté Benguembel, toi qui veux venir dire non, faut pas qu'elle va faire sortir. Tu sais combien elle a dépensé? Toi t'as parti, petit parti là. Elle a parlé qu'il faut pas qu'elle revienne la merde. Bite là même, elle a volé même. Elle a trouvé bite là. Les anciens griots là qui ont fait sortir le vidéo. Comment elle va venir parler que c'est rentré, c'est sorti ici. Nous on a encore divers ici, mais on connaît ce qui se passe au Mali. Ce sont les griots qui ont fait sortir le vidéo. D'accord, les comparables, on a compris. Bon, moi j'ai déjà dit quelque chose. D'accord, faut parler. Je suis revenu, peuple de Dieu. Je suis la peuple de Dieu. C'est loup. Je suis de retour. Tu nous as habitués à nous prendre. Ça veut que quand les comparables ont commencé à parler, ça nous a traumatisé. Donc, faut attendre. Tu nous as habitués à quoi? Seigneur Jésus. Moi, j'ai dit. Abonnez-vous. D'accord, elles vont s'abonner. Abonnez comment? Mes amours, bonjour, bonsoir depuis votre position. Oui. Ici, on parle des actualités, les buzz, les ferrières qui se passent dans la société. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo, parce que hier nuit à 2h, à 3h du matin, là, je vous ai sorti cette histoire de piqué là. Je vous ai dit, je vous ai fait un pari, je vous ai dit aujourd'hui, là, ça a chauffé sur la toile qu'elle a fait de piqué de bang. Je vous ai dit ça, vous voyez là. Là, je suis venue dans le live de Arnaud, notre cher Arnaud. Arnaud, sa Jason aussi là-bas. J'aime son affaire, j'aime son affaire. Donc, du coup, je suis venue là. Là, il a débat. Ça a chauffé. Là, on est que l'après-midi. Ça commence à chauffer. Donc, préparez vos ceintures là pour monter dans. Quand vous êtes dans les voitures. Non, c'est même pas voiture. C'est jet privé de Béret là. Vous-même, vous le savez ici là. Moi, je suis interviewé. Reporter international. Ça a commencé comme ça là. Attachez vos ceintures dans le jet privé de Béret là. Ça, on va partir là. Non, c'est juste pour venir là. C'est mon Béret qui est là. J'ai vu ça. Moi, vous savez ici que moi, ma bouche là, ça ne ferme pas. En tout cas, moi, je n'ai pas de prise de parti de ce qui se passe sur la toile. Moi, je prends là-bas comme une petite fuiteuse là. Comme vous-même, vous savez ça. Quand on a travail de reporter international de Beretiza, moi, je prends ça là-bas que je vous montre ce qui se passe sur la toile. Non, on ne va pas trop parler. Non, je vous mets ça là-bas. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez, mes amours, likez, abonnez-vous.
Merci à toutes ces belles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Oh, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hein? Que Dieu fait que la richesse, là, d'accord, toquer vos potes là-bas. En tout cas, il ne faut pas que Gbengbengbeng va passer là-bas. Ça passe à fait de Gbengbengbeng, on a dit. C'est pas moi qui a dit que ça, hier, là-bas, c'est AMK qui a sorti la vidéo. Elle aussi, elle a dû piquer ça là-bas sur TikTok. Moi aussi, je piquais. On fait piquer là. Hein? Donc, là, quand on fait de plage, elle va venir. En tout cas, il y a un de mes abonnés qui m'a écrit dans le commentaire tout à l'heure. Et c'est Beauty, quand on va venir t'attraper, on va devenir pardon. En tout cas, mon chéri ou ma chérie, je revois ton nom là, je vais te remercier là-bas. En tout cas, je vous fais bisous, on se dit à la prochaine. Parce qu'il y a plein de berets sur la toile là-bas. Je vais aller, je m'en vais comme ça. Mon jet privé, est-ce que mon jet privé après là-bas? Oh, thank you. On m'a dit mon jet privé de berets après. Donc, à tout à l'heure, bisous. Ici, c'est Parlons en fille de C Beauty. À ciao, je vous adore. Berets et tout. Yeah, walk, but I do walk. Macha! Il n'a pas survécu. Il n'a pas survécu. C'est pas possible. Oh non, C'est peut-être. Vraiment. Voilà, les gens qui sont dans mon WhatsApp, ils disent que...